Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, auteur aussi de L'Islam et le réveil arabe. Vous êtes à l'étranger actuellement, mais vous suivez, j'imagine, cette polémique qui n'en finit pas en France et à l'étranger après la publication par Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet. Est-ce que ces caricatures vous choquent ? Non, écoutez, plus rien ne me choque venant de Charlie Hebdo. Je veux dire que de ce point de vue-là, j'ai pas véritablement été choqué. Vous savez, j'étais aux États-Unis la semaine dernière et j'ai participé à tout le débat qui était lié à cette vidéo sur Internet, à l'appel qu'il fallait faire aux femmes et aux hommes et aux musulmans à travers le monde de calmer les choses, de prendre de la distance, de ne pas réagir à une provocation, à des intentions d'un groupuscule derrière, parce que c'est pas l'État américain, c'est un groupuscule derrière qui cherche effectivement à promouvoir le conflit. Alors, revenons sur Charlie Hebdo si vous voulez bien. Donc vous dites que ça ne vous choque pas, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression et en même temps, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. On a d'un côté des gens qui sont clairement, vous savez, il y a des gens qui disent en France, comme ils le disent ailleurs en Europe, que l'islam est un cancer, un problème, que ça ne peut pas être démocratique et qui alimentent cette idée en provoquant des choses de cette façon-là. Puis d'un autre côté, on a des groupuscules qui sont parfois des littéralistes, parfois des gens qui réagissent émotivement, émotionnellement à tout ceci. Et ces deux extrêmes se confrontent. Ce sont des alliés objectifs de la tension. Et vous avez à côté de ceci des gens comme Charlie Hebdo. Ouais. Non, je suis désolé, un peu opportuniste, qui se font de la publicité un tout petit peu facile, ils nous l'ont déjà fait, en alimentant et en rajoutant. Alors j'ai entendu tout à l'heure des témoignages que vous aviez de personnes, de Français musulmans, et qui disaient qu'on en a marre, quoi. Il faut dépasser tout ceci. Malheureusement, Charlie Hebdo surfe sur la vague, fait du bruit, et on a envie de dire aux gens de Charlie Hebdo, certes, votre liberté d'expression, mais dans le contexte actuel, après ce qui vient de se passer, la mort d'un ambassadeur en Libye, des tensions partout dans le monde, majoritairement musulmans, il faut dire aux populations, effectivement, qu'elles ont tort de réagir émotionnellement, mais quand on sait ce qui se passe... Oui, mais Tariq Ramadan, il faut créer un calendrier, les jours où on a le droit de se moquer de l'islam, on ne va jamais s'en sortir. Non, il ne faut pas créer un calendrier, il faut simplement avoir la responsabilité de ses actes. Quand vous avez... Mais il n'y a jamais de bons moments si on va... Bien sûr qu'il y a des bons moments. En tout cas, il y a des très mauvais moments. En tout cas, il y a des très mauvais moments. C'était pas le moment d'en rajouter. C'était vraiment pas le moment. Écoutez, votre Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères doivent fermer des écoles et des ambassades dans 20 pays. Ceci n'aurait pas été le cas si ça avait été un autre moment. Pourquoi le font-ils maintenant ? Ouais. Parce qu'il y a une semaine, il y a un ambassadeur qui a été tué. Il faut être responsable de ses actes un peu. Est-ce que la France a surréagi en fermant justement les écoles et certains établissements ? Non, je ne sais pas, parce que tout peut arriver. S'ils le font, c'est qu'ils savent que tout peut arriver. Vous savez, on a affaire à des groupes qui sont parfois des extrêmes. On sait aussi que les salafistes sont liés à des groupes plus extrêmes, parfois, dans certains pays. On a des gens qui peuvent réagir émotionnellement. Tout peut arriver. Vous avez 4 otages qui sont au Mali aujourd'hui, et la France est aujourd'hui attaquée. C'est pas le moment d'en rajouter. Et on ne peut pas simplement, assis du haut de son fauteuil confortable en France, dire la liberté d'expression, je fais ce que je veux, on a la responsabilité de ces libertés, on a la responsabilité de ces droits, et on n'expose pas les gens de cette façon-là. Vous avez Alors, entendu Tariq Ramadan, si... en Tunisie qui disent à Charlie Hebdo, mais soyez responsables, enfin. Tariq Ramadan, si on n'en rajoute pas, donc, à ce moment-là, on ne va pas manifester samedi à Paris. Il y a plein d'appels à manifester depuis plusieurs jours, notamment sur Internet. Vous dénoncez ces appels ? Complètement, je pense que attaquer en justice Charlie Hebdo, manifester dans les rues de France, c'est totalement contre-productif. La seule attitude noble, c'est en face de la provocation de ceux qui cherchent à développer une islamophobie en France ou de Charlie Hebdo qui surfe sur la vague, c'est ignorer ces attaques, regarder au-dessus en disant nous sommes français, nous sommes pour l'avenir de la France et tous ceux qui essayeront par de la provocation ou en surfant sur la vague, soi-disant en
utilisant la liberté d'expression, ben notre réponse c'est soit nous vous ignorons dans votre haine et nous construisons avec les Français de toutes les confessions ou sans confession qui décident de vivre ensemble. Donc il ne faut absolument pas manifester, pas répondre, être dans le calme. Et il appartient aux élites et aux savants et aux intellectuels musulmans, de ceux qui sont les leaders d'organisation, de dire avec force ceci, que même si notre cœur blessé, notre intelligence doit avoir la dignité de ne pas répondre et de regarder au-delà. Ça, c'est la réponse qu'il faut donner. Et puis, il faut, avec vous, vous aussi, journaliste, dire à Charlie Hebdo un peu de responsabilité dans l'usage de vos droits, car il se pourrait que des droits mal utilisés produisent la fracture sociale. Tariq Ramadan, en direct sur